Bonjour, merci encore à vous, chers abonnés qui m'avez soutenu jusque-là. Merci d'avoir fait en sorte qu'aujourd'hui on ait pu passer ensemble la barre des 1000 abonnés. Je suis très heureux de ces résultats, je suis très heureux de vos commentaires. Merci pour vos soutiens. Sur des dizaines de commentaires que j'ai reçus, j'en ai reçu à peine deux qui étaient désagréables. Tous vos commentaires ont donné énormément de courage pour pouvoir produire autant de contenu en quelques mois, hein. La chaîne existe depuis mars dernier. On a atteint les 1000 abonnés. Et je suis seul à faire et les vidéos et les montages. Ce n'est pas mon activité principale. Mon activité principale, c'est de tenir ma boutique informatique en plein milieu de la Creuse et de diriger également une société d'informatique en région toulousaine de dépannage et de maintenance et d'infogérance de parc informatique. Donc ça m'occupe déjà bien, mais voilà, j'ai souhaité créer cette chaîne il y a quelques mois maintenant pour pouvoir partager en fait avec vous, avec tous ceux qui peuvent, de façon gratuite et avec le plus de simplicité possible, les connaissances que j'ai pu et l'expérience que j'ai pu engranger à droite et à gauche, bah, autour de ces dizaines d'années de passionnés d'informatique et aussi à titre professionnel. Donc je veux partager ça avec vous, je veux vous permettre d'utiliser vos ordinateurs en toute efficacité et en toute sérénité. Je veux que ce soit quelque chose qui soit aussi naturel pour tout le monde que ça puisse l'être pour moi, et donc tout l'intérêt de la chaîne. Alors, la suite pour cette chaîne, ce que je souhaite faire maintenant, c'est savoir, maintenant qu'on a passé ce cap, pour continuer de faire du contenu, j'ai besoin de savoir ce qui vous intéresse, puisqu'il y a quand même 88% des personnes qui ont vu mes vidéos sur la chaîne qui ne sont pas abonnés à la chaîne, donc c'est plus que largement la moyenne. Et donc ça veut dire que pour vous, les 1000 abonnés pour qui je veux continuer de faire ces vidéos, ben, j'ai besoin de savoir ce qui vous intéresse parmi les thématiques que j'ai développées sur la chaîne, à savoir le reconditionnement de PC, le dépannage et le reconditionnement. Alors le dépannage, on n'en a pas fait beaucoup, mais on a abordé là sur les dernières vidéos des clés, des techniques, des systèmes hein, comme Ventoy et Medicat que j'ai présenté récemment. Je crois que c'était hier, pour pouvoir faire ces réparations. Donc si c'est un domaine qui vous intéresse, j'aimerais continuer de vous produire des vidéos là-dessus, peut-être détailler les utilitaires que j'utilise dans mon quotidien pour les réparations et pas seulement pour le reconditionnement. À côté de ça, ce que j'avais en tête au départ, c'était bah, de donner un mode d'emploi du PC, c'est-à-dire pour les utilisateurs et grands débutants, hein, de A à Z, leur permettre d'arriver à cette autonomie-là. Donc je ne sais pas si vous faites partie des abonnés de la chaîne et si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que ce ne sont pas les vidéos qui ont fait le plus de vues. Et puis aussi un peu le téléphone portable, parce que évidemment aujourd'hui, ordinateur sans téléphone portable, ça n'a pas trop de sens, hein. Ce sont des outils numériques qui nous permettent des fonctionnalités au quotidien et on passe de l'un à l'autre et d'ailleurs ils peuvent travailler en toute complémentarité, ce que j'essaie de développer un peu sur la chaîne. Voilà, donc j'ai fait un sondage et je vous invite tous autant que vous êtes à aller participer à ce sondage pour que je puisse en apprendre un peu sur ce que vous souhaitez. Pour pouvoir participer au sondage, rien de plus simple, hein, vous allez sur la chaîne. Et quand vous êtes sur la chaîne, je vous invite à aller dans l'onglet communauté ici et vous allez trouver le sondage ici. Donc voilà les différentes thématiques que j'ai abordées dans la chaîne jusque-là. Et j'aimerais que vous votiez pour la thématique qui vous intéresse le plus, de sorte à ce que je puisse savoir quelles sont vos envies pour pouvoir continuer de développer la chaîne pour mieux vous servir. Donc, reconditionnement de PC, réparation de PC. Alors, comme je vous disais, la réparation de PC, on n'en a pas trop fait, mais je peux très bien développer cette thématique-là. L'utilisation quotidienne du PC, donc ça, c'est ce que je souhaitais faire au départ, un hein, mode d'emploi du PC. L'utilisation professionnelle aussi, peut-être que certains d'entre vous sont intéressés par ces aspects-là, pour travailler avec votre PC de façon plus efficace. Et puis l'utilisation de téléphones portables, je m'occupe essentiellement de téléphones sous Android. Je pourrais très bien développer aussi cette partie-là et puis rajouter les iPhones. Voilà, donc merci de participer au sondage, mais surtout merci encore à vous. Vous avez toute ma gratitude et pour votre soutien et pour cet abonnement qui nous a permis de passer la barre des 1000 abonnés. Alors, vous avez constaté que je publiais à un rythme très soutenu, voire
plusieurs vidéos parfois par jour, tous les jours, depuis ces derniers mois. Je vais passer certainement à 2 vidéos par semaine. Et puis parce que j'ai d'autres projets du coup que la chaîne me donne l'occasion de développer, une partie formation, hein, des formations que je vais vous proposer bientôt, avec évidemment pour les abonnés de la chaîne lors des lancements une offre au moins à moitié prix. Donc merci beaucoup encore. C'était juste une petite vidéo pour vous remercier et vous dire toute ma gratitude par rapport à votre soutien et à vos encouragements. Donc, avec la formule que maintenant vous avez l'habitude d'entendre, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, donc dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Au revoir.